Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster. On a ici l'occasion de gagner du sirop de maïs, on s'en fout totalement. On est venu pour rien, c'est pas grave. Toc toc. On est en train de vider un petit peu nos stocks dans notre nouvel entrepôt tout neuf. Et Flo, j'espère que tu vas bien. C'est vrai que ça fait quelques temps qu'on t'a pas vu, après c'est vrai que ça fait aussi quelques temps que j'avais pas fait de live, j'ai repris ces dernières semaines. Alors, ici, typiquement, on est à 82% plein, il n'y a pas grand chose d'autre qu'on peut enlever. Si, du maïs. Mais c'est tout, on a beaucoup trop de sirop de maïs. Il nous faut quoi? Il nous faut deux sirops de maïs, donc faut qu'on arrête d'acheter du sirop de maïs. Toi, tu... Alors, t'enlèves pas ça... Mais ça et ça t'arrête. Il nous faut des bouteilles. Mais c'est tout ce qu'il nous faut. Le blé, on en a largement assez. Le seigle, on en a pas tout à fait assez. Mais si lui en pournit, on en aura assez. Donc on est bien. Tu profites un peu de ta vie de nouveau marié, donc beaucoup moins de temps. Bah oui, hein, c'est vrai que ça joue. Ça change un petit peu, c'est pas tout à fait comme un enfant, mais ça change quand même un petit peu la donne, hein. On est d'accord. Alors je sais plus si j'avais eu l'occasion de te dire félicitations, je crois que si, mais dans le doute, je le redis, refélicitations. Et ma connexion, bah elle est redevenue à peu près potable, mais ça reste variable, hein. C'est toujours de la 4G malheureusement encore, donc c'est pas idéal. Comme dit, comme hurle Chobiti à côté, c'est bientôt. Ici, j'avais dit que ce serait la vente, le nom. Et du coup, on va changer tout de suite. Toc. Sinon, là, c'est bien le bon endroit, excusez-moi. Voilà, c'est ici qu'on va changer. Tu vas récupérer ça, là, maintenant. Tout ce qui est le Murphy's, désormais, c'est le Sœur d'America. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oula. Toc. Alors ici, bah on était en train de rentrer, tout le monde est au volant, on passe le tour. On a de nouveau des problèmes de production pour la Maréto, bordel, hein, mais qu'est-ce qu'il fout? Il est encore en train de faire plein de fruits à coque. Cela dit, on n'a pas quand même pas assez. Et là, ça, ça a été interrompu, mais c'est pas grave. Là, il a pris 32 de gains, écoute, c'est très bien. Matthew Boelnan. Bonne conduite. On veut plus de points de déplacement. Et Alfred Baumer, c'est notre nouveau mec qui fait la collecte, donc c'est pareil, il te faut du déplacement, toi. On galère tellement à acheter des bouteilles ici. C'est compliqué. Ici... Faut qu'on termine notre petite discussion. Accepte. Squashy, elle s'en laisse pas compter. Toc. Allez Squashy, t'as bientôt fini de vider le maïs. Voilà. On commence à éliminer un petit peu de moonshine, ça y est. C'est plutôt cool. Donc on va déposer notre maïs là. Ici, est-ce qu'on a de la bière à tout hasard de disponible? Barre-toi devant mon bâtiment, toi. On a de la bière ici. Donc le cygne, tu vas plutôt passer chercher la bière. Toc, toc, toc. Et la vendre, enfin la filer ici.
Est-ce qu'ils ont re-recruté ou est-ce qu'elle est toujours toute seule, elle? Ils sont deux, ils ont une offre à nous faire, donc je pense qu'on va terminer de vider ça. 63% plein, ça va, on peut supporter ça. On va terminer de vider ça et on va aller s'occuper de l'ami Carpenter qui poireaute. On va le buter et ensuite on va se lancer à l'assaut de son organisation. Alors Flo, en fait là on découvre le nouveau DLC de City of Gangster. Et en fait je me suis calé sur un rythme pour les lives le week-end. Je fais des lives en général 4, j'essaie d'en faire 4, 2 par jour. Un le matin, l'après-midi en gros. Et deux week-ends d'affilée, on fait un jeu. Voilà. Donc là, deux week-ends d'affilée, on fait City of Gangster avec le nouveau DLC. Et on essaie d'avancer le plus possible, quoi. Après, c'est comme ça pour le plaisir. Donc si là j'ai pas terminé puis qu'on peut faire encore des choses sympas et tout, j'en ferai peut-être un troisième week-end. C'est comme ça, c'est à la bonne franquette, comme on dit. Mais ça me permet de pas être trop carré sur un planning, parce que ma connexion reste quand même ce qu'elle est. Et de pouvoir du coup... Oula. La petite sauvegarde de fin d'année. Ça passe plein de trucs d'un coup. Et d'être un petit peu plus serein en fait sur ce qu'on peut faire, comment je lance les trucs, etc. Donc je trouve ça assez sympathique. Alors, Mathieu... Mathieu, il a droit à un pseudo. Bah tiens, ce sera Flo. Mathieu Flo Buenan, notre futur éclaireur. Alors, c'est le début de la phase législative. Si on veut reprendre saisie de propriété abandonnée. C'était quand même très bien ça. Assouplissement local sur les spiritueux, ouais. Est-ce qu'on prend l'affectation à la commission de police? Ouais. Je pense qu'on va subventionner les bouteilles. Et on sera bien déjà. Parce que nos bouteilles, clairement, c'est un problème, les bouteilles. Hein. Donc on va subventionner les bouteilles pour avoir plus de bouteilles. Et on va prendre la saisie de bâtiments abandonnés parce que c'est clairement ce qui nous coûte le plus cher, les bâtiments. Il n'y a pas à chier. Et on va aller s'occuper de l'armée Carpenter. Avec Squashy également. Allons-y, on y va tous. On va lui mettre une petite balle discrète dans la tête. Hein. Bah écoute, merci d'être passé en tout cas, Flo. J'imagine que tu veux dire que tu t'en vas. Puis profite bien du coup de ta fin de week-end. Bim. Voilà. Éliminé en une fois par Squashy. Ça c'est fait. On va du coup fouiller. On récupère un petit peu de sous, mais c'est pas dingue. On va essayer de fouiller avec d'autres personnes au cas où, mais non. Et du coup, je pense que avec Flo Brennan et Gros Engin Noir, on va aller avancer un petit peu plus par ici. Alors, il va falloir qu'on la chope pendant qu'elle est là. On va essayer de trouver leur base qui, je pense, est dans le coin. On va s'y rendre. Attaquer. Bim. Donc Squashy a pris un peu cher, faudrait qu'elle rentre éventuellement. Ce sera dommage, j'aimerais bien avoir Squashy pour piller, donc on va la faire rentrer, la soigner un petit peu, déposer ces deux maïs là. Donc elle hérite du nouveau truc, puisque bah bien sûr
Toi, t'as pas réussi à produire. Ah, mais c'est pas possible. On a que 25 pots engrais. T'as, mais t'es censé plus faire que ça, toi. Chocho, là. C'est parce que ton camion est cassé, peut-être. On va te rajouter une étape de réparation du véhicule. Ici, par exemple. Oui, très bien. Tu vas le faire en même temps que tu déposes l'orge, voilà. Par contre, qu'est-ce que tu fous avec tes pots engrais, Chocho? T'en as 9 sur toi et 8 de maïs. T'es où? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter du maïs? Oui, il faut du maïs pour ça. Hein. Mais j'ai l'impression que tu fais rien en fait. 2 points de déplacement, qu'est-ce que tu fous? T'avais déjà ça dans ton inventaire la dernière fois que je t'ai regardé. Acheter des pots engrais jusqu'à ce qu'il y ait 100 pots. Alors est-ce qu'elle reste devant à acheter jusqu'à ce qu'il y ait 100 pots? Non. On va surveiller, mais je pense que non. Zut, toi je t'ai pas mis à te soigner du coup. Bah si, j'ai l'impression qu'elle fait rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Chocho, elle est un peu con-con, faut lui expliquer. On est d'accord, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Bah non, mais enfin, t'es censé pas attendre glander devant, quoi. T'es gentil, mais... Mais voilà, va ici, déposer tes trucs. Ouais, sacré Chocho, ouais, je suis d'accord, Kenton, là. C'est... Depuis qu'on l'a renommée, elle fait n'importe quoi. C'est un petit peu n'importe quoi. C'est vrai qu'on aurait pu le déposer là, le maïs, d'accord, vu qu'on en a besoin ici. Ça a dû la perturber que je désactive des étapes, peut-être. Ah non, c'est de l'orge qu'on a besoin ici, c'est pas du maïs. Mais qu'est-ce qu'elle fout avec du maïs, alors? J'ai dû prendre du maïs à un moment pour vider un truc, bon c'est pas grave. L'offre n'est plus valable, on a construit la salle de Pharaon. T'as pas assez de thunes, t'es sérieux? Si t'as assez de thunes. C'était juste le jour pour quoi. Ok. Et Julia Chocho a gagné un niveau, bah tu vas prendre la vitesse de déplacement. Cette fois j'espère que tu vas te bouger. Parce que ça commence à bien faire. Ici, Zikino, il s'en tire ou pas? Qu'est-ce qu'il... Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il fait, Ziki? Il en est à acheter des bouteilles. Alors ça, on va pouvoir le virer. T'as plus besoin de faire ce détour. Par contre, t'as plus de thunes non plus. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas directement passer ici. Ah oui, mais non, mais ça marche plus du coup ça. Là, il faut que il récupère jusqu'à 400. Sinon ça marche pas. Et tu vas du coup passer directement à cette étape, hein. Hop, voilà, tu vas là. En avant. Parce que tu t'as plus de rentrée d'argent, donc t'as plus rien à déposer. Bon, Chocho, c'est pas tout ça, mais fallait que tu répares aussi. Oui, je lui avais mis une étape pour ça, mais vu qu'elle est là, je le fais à la main. Bien, ensuite, on a le signe noir ici, on est arrivé là. Ok, c'est bien là qu'est la planque. Donc maintenant faudrait que l'autre elle se pointe, elle est ici. On va l'attendre quelques tours là. Hop, comme ça au moins on fait pas rien, mais on attend qu'elle revienne dans le coin. Dès qu'elle revient dans le coin, on lui mettra une petite fessée des familles. Et on se débarrassera de cette bande qui traîne dans notre dos et qui au final
à part nous emmerder, ne sert pas à grand chose. Faut dire ce qui est. C'est parti. Une dinner party, on a fait la connaissance de... on a Ziki qui gagne un niveau, on pourrait le faire monter capitaine. Mais je pense que t'as besoin de déplacement, Ziki. Tu enregistres des vidéos, pourquoi? Comment ça, Ziki? Ah, qu'est-ce que tu faisais, t'enregistres des vidéos, pardon. Pff, oh là là, j'ai raté. Mais ouais, mais je te mets un peu plus de déplacement pour la peine, tu seras pas capitaine tout de suite. Même si je pense que tu feras un capitaine décent. Mais là, la priorité, ce serait de réussir à faire ça. Et là, normalement, tu dois avoir acheté un petit peu... Non, t'as acheté des bouteilles. Très très bien. T'as acheté des bouteilles. Tu vas déposer tes bouteilles. Et après, tu retournes acheter de l'amaretto. Est-ce que t'as assez d'argent sur toi ? 154, ouais. Faudrait qu'on fasse un petit tour pour diminuer le coût aussi des différentes ressources. Je pense que ça aiderait. Alors, est-ce que notre ami ici est remise encore Squashy? Non. Donc tant qu'elle est pas remise, on va explorer avec Matthew Brennan. Hein, pour qu'il puisse gagner sa petite XP. Hop, voilà, un commerce de façade fermé. On va continuer de l'asphyxier le plus possible. Ça m'embête de rien faire avec, le signe, mais tant qu'elle revient pas... Est-ce qu'elle est en train d'essayer de se dire que vu qu'il y a un truc... Ouais, c'est ça, en fait elle était en train d'aller là-bas pour la discussion qu'on avait à avoir, c'est un peu con. Alors, on n'arrive pas avec la Maréto, hein. C'est un truc de fou, hein. Alors, l'organisation McLugin, on s'en fout. Ici, on a ce qu'il faut, mais pile poil trop tard. Eh ben, bon courage, Zikino, pour la suite de ta vidéo. Et ici, ça c'est pas grave. Alors, ici, on va... monter le niveau de Slan, il va devenir maître du Charentais. Et toi, on va augmenter ça un peu. Ouais, ça commence à rapporter là. Ça commence à rapporter, ça commence à rapporter. On vend, ok, on fait plein de trucs. Bon, on va pas l'attendre 100 ans l'autre là, on va passer encore un tour là, et si elle vient pas, si elle fait pas demi-tour, on se tire. On se tire, on va la tuer. Bon, on se tire parce qu'on a autre chose à foutre, il faut qu'on réquisitionne des bâtiments, donc on va laisser Flo et Squashy s'occuper de ça. On va continuer de la titiller un peu, d'explorer un peu la zone avec Matthew là. Parfait. Un commerce de façade. Les membres de l'organisation sont 10 fois pires, jamais je ne me mettrai en travers de leur chemin. On verra ça. Il y a un autre truc en dessous là, derrière, ouais. Alors toi, est-ce qu'on a moyen de saisir un truc? Ouais, il y a un bug visiblement quand il n'y a pas de bâtiment disponible dans le district, ça déconne. Hein. Parce que là du coup c'est considéré comme l'avoir saisi, mais ça l'est pas du tout.
Et c'est très dommage. Donc on va essayer d'aller le faire là, parce que là on l'a jamais fait encore. Donc il y a peut-être moyen. Ah, on a une corruption qui arrive à expiration ici. Attends, l'achat de bouteilles c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un bâtiment? Yes! Ici il y en a un, ça c'est parfait. Où est-ce qu'il est? C'est le fleuriste ici. Il fait rien, il y a un petit peu d'alcool, mais on a un bâtiment supplémentaire. Qui est ici, d'accord, très bien. Déjà dans notre zone en plus. Voilà, ça c'est cool. Un bâtiment gratos comme ça, on va pas cracher dessus. Elle, elle en est où? Où est-ce qu'elle est? Elle fait sa vie. Très bien, elle fait sa vie. Elle fait sa vie, donc on va continuer de la... On va continuer de lui pourrir la vie, hein. Si c'est comme ça. Là, on va retourner le corrompre, puisqu'on n'est plus dans les affaires de police, donc... faut qu'on le fasse à l'ancienne, avec des sous. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu de bière à livrer? Yes, on a un peu de bière à livrer. En avant. Toi, t'en es où? T'es à 853, 51, 58. Donc normalement, si on arrive à le faire passer capitaine, on sera bien. Il reste plus qu'à le faire passer capitaine. Il faut aussi que je dépile un petit peu les quêtes quand même à un moment. Hein. Hop, on va aller livrer ça. Pas encore assez 50, hein. Il faut en faire plus, il faut que t'arrêtes de rater tes productions toi. Ouais, on dirait que ça y est, t'arrives à t'en sortir. Zéro bouteille encore, là ok, il a réussi. Chocho ascenseur, elle est débloquée, parfait. Bon bah c'est un peu la dèche pour acheter des trucs. Est-ce que c'est parce que t'as pas de thune? Si, t'as de la thune, mais juste il n'y a plus rien à vendre. Pas de bol. Alors, on va dépiler un peu des quêtes quand même, ici, en attendant que l'autre décide de revenir à sa base. Elle est à sa base. Alarme, elle est à sa base. Oh, on est trop loin avec... Elle va bien y passer quelques tours. Oh, il y a un bâtiment ici à attaquer. Bim. On va se mettre là, on va attendre là que l'ami le signe noir arrive. Elle va bien rester un tour. Oh putain, elle s'est tirée. L'enfoiré. L'enfoiré, l'enfoiré. Alfred Bunner, t'es celui qui fait la collecte. On va monter ta vitesse. Bon, c'est pas grave, on va attendre là. Ça, on est d'accord qu'on peut rien y faire. Hein. Malvin, on va te rajouter une petite étape de réparation. À quel moment? Quand tu viens là, là? Ici. Et donc, c'est au moment où tu... dépose le moonshine normalement. Hop, voilà. C'est bon. Yes. Coucou. C'est nous. On est venu pour discuter
Ouais, c'est défendu. C'est défendu, mais notre Thompson en fait le taf. Roland foiré. Non, mais non. Parfait. Alors, on peut fouiller. C'est parti. Bim. 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 Bon, c'est pas ouf. Pas se mentir, c'est pas ouf. Là, y a, carrément, il n'y a rien. Elle avait rien sur elle, quoi. On l'avait peut-être un petit peu trop laminée. Elle était dans le mal. On va rentrer du coup avec le signe. On a quand même récupéré un peu de moonshine et du vin. On va le déposer dans notre speakeasy qu'on a toujours pas pu améliorer. C'est quand même ouf ça. Production de vin, toujours pas. Non. Non. Si vous le voyez dans le chat, le speakeasy et que je le rate, n'hésitez pas à hurler. Après, il y a des compétences qu'on pourrait prendre. L'alambic à amaretto, ça serait pas mal aussi. Hein. Puis il y a quand même un paquet de monde qui veut me l'apprendre, quoi. Ah oui, carrément un paquet de monde. Ça se trouve, c'est bloqué. Hein. On peut pas apprendre le speakeasy tant qu'on n'a pas amélioré notre alambic. Bon, on va le faire. Alambic à amaretto également. Toc, toc, toujours pas, construction de... Bon, ok, l'alambic à amaretto, visiblement, c'est un must-have. On va trouver quelqu'un qui l'a, qui est pas trop loin, tiens, toi, c'est très bien ça. On va aller, alors d'abord, on va déposer ce qu'on a à déposer, parce qu'on a des trucs à déposer. On dépose ça, on dépose ça. Est-ce que j'ai une production d'alcool tiers 2? Bah oui, du coup, il y a là. Là où on... avant on fabriquait que ça, et maintenant on fabrique les deux. Mais on peut encore l'améliorer, enfin, et encore, non, on peut le transformer en moins bien, donc c'est pas ouf. Par contre, on a moyen d'avoir une... On avait moyen de mettre une amélioration éventuellement, mais ça va pas être hyper intéressant cette compétence en vrai. Hein. Toi tu fais quoi, Canton? Tu fais le moonshine, on va te faire monter ta bonne conduite un peu. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Bah du coup oui, pardon, on a l'amaretto qui est du tiers 2, voire du tiers 3, c'est le nouvel alcool du coin. Et il faut depuis un moment qu'on fasse du gin amateur et que, du coup bah, on va essayer de le faire là, là. Mais oui, clairement là, on est dans une session... un peu problématique. Trouve la thune, toi. On s'est concentré un peu sur la guerre avec eux et ça nous a pris du temps. Là, je pense que l'objectif, ça va être de d'épiler un max de quêtes. Et effectivement, on va partir sur le djinn là. Le djinn amateur dans le coin là. Et qu'est-ce qu'il nous faut si on veut faire ça? Le djinn amateur, il nous faut des épices. Est-ce qu'il y a un truc qui demanderait des fruits à tout hasard? Il me semble qu'il y a un alcool qui demande des fruits, mais on l'a pas encore visiblement. Donc on a une production de fruits, ça pourrait se faire. Ah, il faut du T2 pour débloquer les speakeasy. Oh! Tu penses que c'est ça? Ouais, remarque, ouais, bah je sais pas. Normalement c'est censé être bon. Il est là, l'amaretto, donc ça doit être du T2. On va faire du gin de toute façon, puis on va voir, hein. On va voir, on va voir. Il faut quoi pour le djinn, on a dit? Tac, tac, tac. Alambic à djinn. 4000 balles, des tuyaux, plein de petits tonneaux, ok, et des briques. Bon. On va s'y intéresser. Une opération anti-contrebande nocturne fait couler une barge de transporteur de bois. Mais non! Il faut pas faire ça. Donc lui, ils nous ont fait une offre, mais ça n'a rien fait. Alors lui, il arrive, il fait plus rien, quoi.
Oui, il fait plus rien, normalement on doit quand même continuer d'amener un peu d'orge, non? Ah, je l'ai peut-être désactivé. Bon, non, je l'ai pas désactivé. Est-ce que je l'ai désactivé complètement? Chaud chaud, t'achètes de l'orge normalement, t'es censé acheter de l'orge. Ce qui veut dire qu'il doit plus y avoir d'orge disponible. C'est pas hyper grave, mais ça peut devenir problématique à un moment. Ça, on l'a fait. Ok, donc là, il faut que vous rentriez, vous. Donc toi, Chocho, tu vas rentrer à l'entrepôt qui est là. Hop. Et Flo, t'as des étiquettes de bouteilles. Bah, tu vas rentrer aussi à l'entrepôt. On va stocker les étiquettes de bouteilles là, ça pourra servir. Mais donc du coup, toi, tu penses que ce serait ça le problème. Ça peut être effectivement une possibilité. Hein. On a un petit peu de bois sur nous. On va s'en servir pour le déposer ici. Hop. Et on va dépiler ces trucs-là. Il faudrait peut-être améliorer aussi, tant qu'à faire, notre production de... Est-ce qu'on peut acheter quelque part 15 grès ? Du grès, ici. Ou là, plutôt là-bas. On va probablement pas venir jusqu'ici, donc il y en a certainement à vendre. Non, il nous aime pas. Il nous aime bien, mais sans plus. On en veut 15. Hop là, voilà. Alors, du coup, c'était où ça? Là. Ok, on va essayer d'aller plus loin, vu qu'on a beaucoup de sirop de malt. Il faut 250 balles, on va lui filer 250 balles, ça sera fait. Ensuite, hein, visite familiale, on a 1000 balles là. C'est où? C'est là, ok, ça va, le flic est pas dessus. Tac, tac. Alors, service soif, personnel attentionné, finition raffinée. Ah, cool! On pourrait mettre un bar dans notre maison de jeu. Ça c'est cool. Nous apprend quoi? Alambic et amaretto. Tiens bah allez, on va la faire, on a dit. C'est parti. Déjà rien que le fait que ça va nous enlever un paquet de trucs dans notre liste de compétences à apprendre, ça reste utile. Du matériel de distillation. Bouf. Par contre, c'est quoi le bâtiment que tu nous prends, toi? Pour combien? 16 000. Non. Certainement pas. Certainement pas. Alors, on est en train de faire ça. Est-ce qu'on a de la bière disponible? Yes, on a de la bière disponible. Pardon. Miss Click. On va aller chercher la binouze. Et on va terminer notre quête de gare. Ok, lui il doit payer la dette. Ok, on a réussi à acheter des pots en grès, c'est parfait. Chocho va pouvoir passer. Il y a ce qu'il faut. Fantastique. Que demande le peuple? Ok, on nous a pris des plombes de faire cette quête, mais au moins c'est fait, on va essayer de faire du stock pour la prochaine fois. Google Sheet concernant City of Gangster posté sur Discord, un ancien mage, mais la base n'a pas changé. Ah bah je vais aller voir ça. J'irai voir ça après le live, merci. Dernière mage, le 16-3, bah oui ça fait un peu moins d'un an, bah ça tombe bien, on est le 26. Il faut qu'on aille chercher nos dettes. Ah, il y a plein de gens qui ont des dettes, alors toi... File ton fric, 89 balles, non mais tu rigoles. 89 balles, non mais tu nous as pris pour qui? 89 balles quoi. Qu'est-ce que tu nous proposes? Je pourrais accepter de l'alcool. Du vin en briques.
Ok, ouais, pourquoi pas du vent en brique. C'est pas dingue, mais sur ça de prix. Ici, il y a une quête, hein, c'est quoi? La bière artisanale, non. Pour l'instant, non. Alors, toi, t'es rentré. Décharge. Ça, tu déchargeras à un autre endroit. Tu vas passer là. Tu vas décharger le vin en brique. Il va falloir qu'on se rajoute une vente de vin en brique parce qu'on n'arrive pas à faire notre speakeasy, je pense. Zut. Misclick. On stocke ça et tu te soignes. Flo, t'as juste des petites étiquettes à décharger. Décharge les étiquettes et tu te soignes. Et donc gros engin noir, il va aller réparer sa voiture. Tuck avec son dernier point, ça me va. On est pas mal, passons le tour. Ok, il a réparé son véhicule, c'est parfait, tout seul comme un grand. Pas de problème. Très très bien. Plaisir quand même. Ok. Ok. On va dépiler de la quête. Donc il nous faut un petit pécule. Ils ont tous un petit peu de thunes sur eux. C'est parfait. On va commencer par des camions. Si on peut avoir des camions, ça nous aidera. Des briques et du bois. C'est parti. Des briques et du bois. Du bois, on peut en acheter ici. C'est parti. On peut en acheter à la gare, c'est mieux. Puisqu'on a une réduc. Alors il en faut 15 en tout. 12 en tout, on en a livré 4, donc il en faut 8. Hop là, c'est parti. Il faut livrer ça. Ici, c'est ça. Le bois. Ensuite les briques. Donc, les briques, normalement c'est là notre fournisseur de briques. Combien t'en as? 35 par caisse, ça pique. Il en faut 15, hein. 12. Il en faut 12. Alors par contre, on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire un petit au revoir dans le chat, je vous laisse quelques instants, comme d'habitude, le temps de boire un petit coup. Ah. Ici, on arrive à mettre de l'orge ou pas? Ouais, on arrive à mettre un petit peu d'orge, ok, parfait. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.